Donc j'ai créé l'Institut Saint-Étienne. Cette école, j'appelle ça du nom de mon père parce que c'est mon père qui m'a montré qu'on pouvait tout faire avec le local. Il n'y avait pas toute l'abstraction possible et c'est mon père et ma mère qui m'ont montré. Donc je n'ai pas. C'est un peu son idée que j'ai continué. Et dans cette école, on continue. On est, depuis 2013, on a ouvert cette école. Chaque année, on augmente la promotion. Là, on est en troisième secondaire cette année. On est revenu à la troisième secondaire. Et nous enseignons à l'Ital. Dans notre école, on enseigne tout en Ital. Ce n'est pas un rêve. Cette école, aujourd'hui, on est en troisième année secondaire. On enseigne tout en Ital. On a un cours de français. On a un cours d'anglais où les enfants apprennent à parler français et apprennent à parler anglais. Le mathématique, les enfants les apprennent en Ital. La chimie, la physique, la comptabilité, la compétence, l'histoire, géographie et l'éducation à la vie, toutes les autres matières, les enfants les apprennent en Ital. Nous avons commencé en 2013 et dans le quartier, les gens savaient que j'étais parti en Europe. Et quand j'ai ouvert l'école, ils ont dit à l'école des bienvenus, on va enseigner comme chez le grand. Donc, les parents m'ont amené des enfants. J'avais 4 classes, primaire jusqu'à 4 primaire. J'avais au début 160 enfants. J'ai dit aux enseignants, les enseignants sont là au fond. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu? C'est pas un travail seul que j'ai fait. Je suis enseignant. Donc, nous sommes une équipe, c'est le travail que j'ai fait. Le parent, c'est son ami qui compte dans cette école pour enseigner à l'Ital. C'est pas possible. Tout. On pensait qu'il allait enseigner comme à l'Europe, mais là, il a dit. Et les parents ont commencé à enlever les enfants. Parce qu'on enseignait dans cette école en l'Ital. Et les enseignants étaient paniqués. Ah, pour vous, on enseigne seulement en français, on va perdre les clients. Moi, j'ai dit. Ce n'est pas un commerce que je fais, c'est un projet pédagogique que je suis en train de faire. Ces gens-là verront que j'ai raison. Mais bon, au début, ça avait un peu mal. Deuxième année, troisième. Donc, j'ai commencé avec 160 enfants. J'ai terminé l'année scolaire avec 38 enfants. Quand les gens sont venus. Pour dire que les parents n'ont pas tolérer ça. La deuxième année, les quelques parents qui étaient fidèles, qui ont vu dans les 38 qui sont restés. Ils ont quand même bien voulu continuer avec moi. Il y a eu quelques réticents. Et je me rappelle même que cette année-là, ceux qui sont venus, c'était les plus fichés. Comme on était un peu moins cher et qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs, bon, on n'a pas de sous, alors quand même là. Donc, j'ai eu encore très peu d'enfants. C'est là que les quartiers sont encore dans la troisième année. Et les enfants des Zénithiens, ils savaient lire et écrire, ils savaient calculer. Ça veut expliquer, nous expliquons les corps humains. Un parent vient nous dire, a expliqué là une mérite au paiement. Et mon bébé Kota qui est là dans mon poumon, c'est le poumon. Il m'a dit, Néné m'a dit le souvent, m'a dit Zoumi, ah, t'as ma moto. Je lui ai demandé, tu as étudié l'appareil, le système sanguin. Oh oui, l'appareil circulatoire, oui, l'appareil respiratoire. Oui, oui, l'appareil digestif, oui. Il y a moins de que mon état. Donc ces parents-là, il avait étudié ça lui-même, mais il n'avait jamais compris ses premiers enseignements. Donc, les parents se sont rendus compte que ces enfants-là, ils venaient et nous avons pris les enfants. Et cette année, on s'en rend, cette année, nous avons 400 enfants, 500 enfants. Donc les parents sont revenus, ils se sont rendus compte que les parents se sont rendus compte qu'on peut enseigner en Ital. Et les enfants avoir un bon niveau. Et que l'apprentissage du français, dans les milieux, les autres enfants du milieu ne parlent pas français mieux que eux. Et cette année, on est arrivé en troisième secondaire, les cours de chimie, on apprend la purification de l'eau avec les moyens de l'eau et tout ça. Et depuis le début de l'année, on apprend la purification de l'eau. Ces enfants, ils viennent vendredi samedi purifier l'eau. Tous les cours de chimie, physique, technologie passent autour de la purification de l'eau. Aujourd'hui, ces enfants, chez eux, à la maison, ils fabriquent de l'eau qu'ils boivent chez eux. Et il y avait même un parent qui a dit à l'enfant, ah,
ceux qui sont ici, ça va la main, ils vont nous classer, nous allons nous tenir au pied. Et je dis à l'enfant, non, 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 oh, les a étape à Kimboso, tu me dis, on va dire ça à la main à la télé, tu vas dire ça à la main à l'hôpital, tu me dis, on va dire ça à la main à la télé. Et je lui ai montré que, bon, arrête pas comme ici, tu as encore. Donc, c'est ça un peu l'expérience.